Le 9 août 1976, deux corps vont être trouvés par un camionneur en Caroline du Sud. Ces deux corps sont ceux d'une jeune femme et d'un jeune homme qui semblent avoir été tués de plusieurs balles dans leur dos. Les corps vont rester anonymes pendant 45 ans avant d'être identifiés grâce à l'ADN. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de la semaine des 5000 abonnés. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, je suis très contente de vous retrouver tous les jours. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire américaine, une histoire de personnes qui sont restées non identifiées pendant très longtemps. J'espère que ça vous plaira. Donc maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Alors le 9 août 1976, vers 6h20 du matin, un camionneur qui s'appelle Martin Durand va se retrouver face à deux cadavres. Il va donc appeler Charles Graham, qui est le patron d'un magasin juste à côté de là où il se trouvait, et Charles Graham va lui appeler la police. Nous sommes donc dans le comté de Sumter, en Caroline du Sud. Ces deux corps sont ceux d'une femme et d'un homme qui ont tous les deux reçu plusieurs balles dans leur dos. En observant les blessures, on va se rendre compte qu'ils ont reçu des balles au niveau de la poitrine, mais donc données dans le dos, et on verra que les balles viennent d'un calibre 357. On a aussi compris que ces deux personnes avaient sans doute pas mal voyagé avant de se retrouver en Caroline du Sud, car sur eux, on va retrouver des effets personnels qui viennent d'un petit peu partout aux États-Unis. La police va lancer un appel à témoins et un ermite va se manifester. Cet ermite dira que aux petites heures du matin du 9 août 1971, il a vu justement une jeune fille et un jeune garçon pas très loin de là où il habitait. Il dira que ces deux jeunes gens avaient été déposés par une voiture à L'Oakland Road, donc un chemin un petit peu boisé, discret, où il n'y a pas beaucoup de gens qui y passent. Là, la première chose qu'on va se dire, c'est que sans doute ces personnes, qui sont quand même bien habillées sur eux, voyageaient en voiture et que peut-être leur voiture aurait été détournée par des autostoppeurs. Ils les auraient ensuite jetés hors de la voiture et leur auraient tiré dessus. Donc ça va être la toute première théorie que la police va avancer. Donc là, la police va quand même essayer d'en savoir un peu plus sur ces deux victimes qui sont anonymes, et un nouveau témoignage va venir les éclairer un petit peu. Un homme dira qu'il a pris ce couple en voiture à un moment donné et que l'homme lui aurait dit qu'il s'appelait Joke. Donc à partir de ce moment-là, l'homme retrouvé mort, on va l'appeler Joke Doe. Parce que on dit toujours, par exemple, une femme non identifiée qu'on retrouve, on va l'appeler Jane Doe. Bah, un homme, on va l'appeler quelque chose Doe aussi. Et comme là, l'homme pourrait très bien s'appeler Joke, on va l'appeler Joke Doe. Voilà. Donc Joke, c'est un prénom canadien. En tout cas, c'est ce que les enquêteurs vont se dire. Et en plus, ça va venir confirmer le fait que le témoin qui dit les avoir pris en voiture explique que Joke lui aurait expliqué qu'il avait fui sa famille qui habite au Canada avec sa petite amie et que son papa était un médecin assez connu dans sa région. Et ça va quand même rejoindre le fait que le corps qu'on a retrouvé était justement un corps bien habillé, avec des beaux vêtements. On comprenait qu'il venait d'un bon milieu social, et donc bah, le fait que son père était peut-être médecin, et ben les deux ça match. Là, on a ce témoin qui nous explique ça. Son témoignage va assez bien avec ce qu'on va retrouver sur le corps de la victime. Et les policiers vont maintenant, dans un deuxième temps, analyser les corps et essayer d'en savoir le plus possible sur ces deux victimes par rapport à ce qu'ils ont dans leur poche, leurs vêtements, etc. On va d'abord commencer par l'homme. Selon les experts, il aurait à peu près 27 ans. Mais bon, il avait un visage qui faisait très jeune, mais quand on regardait sa dentition, c'était la dentition d'une personne qui allait avoir bientôt 30 ans. Donc, pour faire large, les experts diront qu'il avait entre 18 et 30 ans. On va aussi observer que la victime était blanche, avec un teint olive. Il avait les cheveux bruns mi-longs et les yeux bruns. On va aussi remarquer qu'il avait les sourcils très broussailleux. L'homme faisait plus d'1m80, donc il était très grand et son poids allait autour des 70 kg. En observant ses dents, on va se rendre compte qu'il a eu des travaux dentaires assez élaborés. Donc on va se rendre compte qu'il a été dans des
dans des beaux hôpitaux, voire de beaux dentistes, et que même c'est possible qu'il s'est fait faire des travaux sur ses dents en dehors des États-Unis. L'homme avait aussi une cicatrice d'appendicectomie et d'autres cicatrices sur son corps, et selon les experts, ça montrait que l'homme pratiquait un sport de contact. Les deux victimes étaient extrêmement bien coiffées et bien habillées. Pour ce qui est des vêtements de l'homme, il portait un jeans délavé de la marque Levi's. Il portait aussi un t-shirt rouge et une chemise promotionnel pour une course de Sebring qui se passait à Sebring en Floride. En enquêtant sur cette chemise, on verra qu'elle était mise en vente en 1975, donc un an avant qu'on retrouve cet homme décédé. En plus de ça, l'homme portait un paquet d'allumettes dans sa poche, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Pour ce qui est des bijoux, il portait une montre en or jaune et un bracelet de montre de la marque Buvola. Ça va être intéressant parce que sur ce bracelet, il va y avoir un numéro de série qui va nous permettre de voir que cette montre a été fabriquée en 1968. Les enquêteurs ont voulu essayer de savoir où est-ce qu'elle avait été vendue, mais malheureusement, des papiers avaient été perdus. En plus de sa montre, il portait aussi une bague en or de 14 carats avec un saphir gris dessus et il y avait des initiales qui y étaient marquées, donc c'était des initiales JPF. J qui pourrait donc correspondre à joke. Alors maintenant nous allons parler de la femme décédée, donc qui était avec l'homme. Elle, les experts vont se dire qu'elle est un petit peu plus jeune que l'homme, donc on va dire qu'elle avait entre 18 et 25 ans. Elle mesurait 1m62 et devait peser aux alentours de 50 kg. Elle avait une silhouette mince et un teint olive comme celui de son compagnon, et d'ailleurs comme ils se ressemblaient un peu, on va se dire que peut-être ils étaient frères et sœurs. Elle avait les cheveux brun rougeâtre, mi-longs. Elle avait des yeux de couleur bleu-gris. Par contre, sur certaines sources, ils disent qu'elle avait les yeux de couleur noisette. En règle générale, on dit qu'ils étaient bleu-gris. Mais voilà, je vous donne quand même cette information parce que voilà, c'est à prendre avec des pincettes, les sources se contredisent. Elle avait aussi deux grains de beauté du côté gauche de son visage, près de sa bouche, et elle avait des cils extrêmement longs mais naturels. Elle avait du plombage sur ses dents de derrière, et par contre ses dents devant étaient bien droites. Elle n'avait pas de cicatrices sur elle, et pour ce qui est de sa pilosité, elle était pas vraiment épilée. On voyait que c'était une femme qui s'épilait, mais là ça faisait un petit bout de temps qu'elle ne l'avait pas fait. Pour ce qui est de ses habits, elle portait un t-shirt rose de nu noué à l'avant et dessus elle portait une chemise blanche. Elle avait un short en jean bleu et un foulard à motif floral qu'elle avait attaché autour de sa taille pour lui servir de ceinture. Au niveau de ses chaussures, elle avait des sandalettes à talons compensés de couleur rose et lavande. Elle portait aussi des bijoux, elle avait trois bagues. La première, c'était une bague avec une pierre noire incrustée et des éclats de turquoise. La deuxième était en forme de plume et dessus, il y avait des pierres de corail et de turquoise. Et la troisième bague, c'était une sorte d'amas de ferraille, de fer avec des pierres dessus de couleur rouge, bleu et blanche. Donc selon certains experts, ces bagues avaient été faites par des Amérindiens ou peut-être des Mexicains. Et elles devaient provenir du côté sud-ouest des États-Unis. Une chose importante à souligner, c'est qu'on va remarquer que la femme n'avait pas de sous-vêtements et l'homme non plus n'en avait pas. Donc aucun des deux ne portait de sous-vêtements. Pour en revenir à l'enquête, en 1977, un homme qui s'appelle Lonnie George Henry va être arrêté à Latta. Latta, ville qui se trouve en Caroline du Sud. Il va être arrêté simplement parce qu'il conduit en état d'ébriété. Donc là, on va fouiller sa voiture et on va retrouver une arme. Et cette arme ressemble bizarrement à l'arme du crime. Donc elle va être envoyée pour être expertisée. Après expertise, l'arme était l'arme du crime. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas assez de preuves. Et du coup, Lonnie ne va pas être inculpé et personne d'autre ne va être inculpé. Et d'ailleurs, en 1981, Lonnie va mourir. Et donc, il emmènera avec lui tous ses secrets par rapport à ce meurtre. Mais bon, même s'il n'y a plus personne à arrêter, les enquêteurs vont quand même essayer de savoir qui sont ces deux personnes. En fait, en observant les allumettes, ils vont se rendre compte qu'elle vient d'une chaîne d'arrêt de camion. Et cette chaîne existe en Idaho, au Nebraska et en Arizona. Donc après que cette information ait été rendue publique, un homme qui habite au Nebraska va dire qu'il pense avoir fait des réparations sur la voiture de ce couple en question, donc ce couple retrouvé mort. Malheureusement, ça n'a jamais vraiment donné suite, il ne saura rien dire de plus et on ne saura même pas prouver qu'il s'agissait bien de ce couple. Certains vont même penser que le couple a été victime d'un certain Henry Lee Lucas, donc un tueur en série qui était justement en Caroline du Sud à ce moment-là. D'ailleurs, Henry Lee Lucas va reconnaître ce meurtre. Mais bon, on va se rendre compte très vite qu'il avait tendance à reconnaître des meurtres qu'il n'avait pas fait. Et ce meurtre-là, on pense réellement
qui n'avait rien à voir avec ça. Bon, Henry Lee Lucas va mourir en 2001, donc lui aussi on ne pourra plus vraiment lui poser de questions. Un peu plus tard, les enquêteurs vont se rendre à Brunswick, une ville en Géorgie, où des parents pensaient que la femme retrouvée décédée était peut-être leur fille. En fait, l'ex-petite amie de leur fille avait contacté les parents en disant « Regardez, cette femme ressemble pas mal à votre fille, à mon ex-petite amie, peut-être que c'est elle. » Les parents vont malheureusement pas savoir identifier leur fille en voyant la photo du corps, mais un petit peu plus tard, on va démontrer qu'il ne s'agit pas de la même personne. Au final, les corps vont quand même être conservés un moment dans un funérarium avec un cercueil transparent pour que des gens puissent venir voir et essayer de voir s'ils connaissent pas ces personnes pour essayer de les identifier. Finalement, le 14 août 1977, on va les enterrer parce que leur corps était trop détérioré. Ils seront enterrés en Caroline du Sud avec comme gravure sur leur tombe « Homme inconnu » et « Femme inconnue ». En 2007, leur corps va finalement être exhumé, on va les reprendre et on va, maintenant avec les progrès, on a l'ADN et donc on va faire des tests ADN sur eux, déjà pour savoir s'ils étaient bien frères et sœurs. Et là, surprise, en fait, ils n'étaient pas du tout frères et sœurs. Et donc on va commencer à pencher pour l'hypothèse du couple. En juillet 2019, DNA Doe Project est une organisation qui s'occupe de faire des tests ADN sur des personnes non identifiées, va prendre l'affaire en main et va commencer à faire des tests ADN pour essayer de recréer un arbre généalogique à ses victimes. Finalement, ils vont y arriver en janvier 2021, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. On va enfin savoir qui étaient ces personnes. La jeune femme s'appelait Pamela Buckley. Elle est née le 16 septembre 1951. Elle est originaire du Minnesota et elle a été vue pour la dernière fois en 1975 dans la ville de Colorado Springs au Colorado. Pour ce qui est de l'homme, il s'appelle James Freund et il est né le 16 septembre 1946. Pour ce qui est de James, il a été vu pour la dernière fois lui aussi en 1975 à Lancaster en Pennsylvanie. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Donc là, c'est tout nouveau hein, qu'on a su exactement qui étaient ces personnes. J'ai pas d'informations en plus, donc peut-être il y aura des updates par rapport à de la famille, etc. Je ne sais pas. S'il y en a, je le mettrai dans la barre d'infos, donc voilà. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et sinon, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye !